Et nous voilà de retour pour continuer notre aventure sur God of War Ragnarok, maintenant que nous Freya, sommes où équipés est de ce fou? cette lance. Je ne saurais le dire. Elle parcourt les royaumes à la recherche de nos sœurs disparues. Si elle parvient à reconduire leurs esprits éthérés à Vanaheim, nous espérons être en mesure de restaurer leurs corps et de les délivrer de leur corruption. Merde, j'ai pas compris de qui elle parlait. Mais quoi qu'il en soit, salut tout le monde, c'est Corbel. J'espère que vous allez bien. Et du coup, ben, continuons ce let's play sur God of War Ragnarok en y prenant un maximum de plaisir. Et du coup, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, on va commencer par aller à Midgard et dans le royaume des nains. D'ailleurs, on est déjà dans le royaume des nains, en fait, maintenant qu'on y pense. Mais on peut pas trop se téléporter. Attendez. Ils me disent que je peux passer par là. Ah si, je peux descendre là-bas. Ok. Donc là, ça nous permettra de redescendre vers la baleine. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'on veut aller, hein. C'est vers la baleine que nous voulons aller pour tout simplement aller planter notre lance dans le petit truc de le petit trou d'air là. Et donc, cette lance Draupnir, es-tu prêt à t'en servir? Pour protéger Atreus, je ne suis le champion de personne d'autre, et encore moins le dieu. C'est peut-être ma forme, mais ce n'est pas ma nature. C'est bien compris. J'ai mis de côté bien plus qu'une divergence d'opinion pour le bien de cette alliance. Tant que le plan est toujours de tuer Heimdall, le reste importe peu. Je me permets d'ajouter qu'Odin a une petite idée de ce que nous préparons. C'était donc ces corbeaux que j'ai entendus. Bon sang, qu'a-t-il dit? Mensonges, menaces et autres tromperies, évidemment. Tu penses qu'il mentait? Atreus n'est pas à Asgard. Malheureusement, sur ce point, je crains qu'il ait dit vrai. Alors le reste importe peu. J'ai vu une porte non loin qui surplombait la baie. On peut l'atteindre avec ta lance, je crois. Par ici. Ah, il y a une tombe en plus. Il y a une Une tombe. autre pierre tombale de Berserker. Tu sais quoi faire, mon frère. Bon, les amis, comme je l'avais dit à l'épisode précédent, hein, tous les bons épisodes God of War commencent avec un combat. Donc, c'est parti pour un nouveau combat de Berserker. Maxime qui dit un exemple dans la mythologie, Odin a tué les géants et pris un bébé à la fin de ça. Et le bébé, tout le monde sait qui c'est. Écoute, moi je ne sais pas, mais j'avoue que j'essaie de m'informer au minimum de la mythologie nordique, parce que ça pourrait peut-être me donner des pistes sur comment va se dérouler l'histoire du jeu, et j'avoue que je prends tellement de plaisir à découvrir l'histoire de jeu en ne sachant rien, que ça m'a motivé depuis que j'ai commencé ce God of War Ragnarok à m'informer au minimum. Bon, de toute façon, avant, je m'informais pas trop, hein. Les seules informations, comme je vous avais dit, que j'avais de la mythologie nordique, c'est via les fictions. Mais j'avoue que je m'informe pas davantage que ça pour avoir un maximum de surprises. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, avant, je m'informais pas des masses non plus outre mesure. Bon, c'est parti pour un combat de Berserker. Ok, au moins il est seul. Oh là là. Bon, on va commencer par ça. Ça va déjà donner la couleur. J'ai lancé dans le vide les trucs de... Dieu, ne pas continuer.
Incline-toi devant moi! Oh! Mon Dieu! Incline-toi devant moi! Ça doit faire mal, mon frère. Tout va bien. Il est bientôt au max de sa... Ah putain, de sa... De son équilibre. Je peux bientôt lui faire une attaque. Oh oui. Ok, c'était pas une exécution, mais ça l'a fait putain de mal. Ok, ça m'a mis bien mal. Non! Ok, c'est bon, ça va le faire les amis, vous inquiétez pas. T'es mort, mon pote. Bon, c'est bon, tu prends là. Qu'on s'intéresse à lui. Et ses champions berserkers encore moins. Des ordures. Tout saute quand ils sont. Pourquoi n'en parler que maintenant? Avant, on ne pouvait rien y faire. Seulement, cette poignée a changé la donne. Ah, un nouvel enchantement. Augmente les dégâts de toutes les attaques et capacités de vos armes basées sur le renouvellement. Attends, c'est pas celui-là que j'ai chopé, hein, c'est... Ah si, c'est celui-là. Donc c'est force et renouvellement. 12 de force. Pouvoir unique et renouvellement. Mais là, il me manque du renouvellement surtout. Je pense que je vais prendre la force et le renouvellement. Là, celui que je viens de choper, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et du coup, je me demande... Ah oui, il y a des compétences pour la lance, du coup. Oh là 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 là, on aura des trucs à dépenser. Appuyez sur triangle pour percuter le sol avec la lance. Ah, mais ça, c'est des trucs qu'on a déjà. Ok. Donc, maintenez triangle pour percuter violemment le sol avec la lance... de Dropnir, ce qui augmente la puissance des explosions provoquées. Ok. Ok, donc maintenir au lieu de... Maintenir au lieu de frapper simplement, ça fait exploser plus violemment. Ok. Augmente jusqu'à 6 le nombre de lances pouvant être lancées. Ok. Enchaîner rapidement plusieurs attaques au corps à corps sans subir de dégâts pour renforcer la lance en augmentant considérablement l'impact de chaque attaque au corps à corps. Ok. Donc en fait, chaque attaque fait plus mal l'une que l'autre. Enfin, chaque attaque fait plus mal que la précédente. Confère un bonus de chance et de pouvoir unique lorsqu'actif. Ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal. Maintenez R2 durant le souffle destructeur pour attirer l'ennemi à proximité. Les adversaires projetés peuvent être maintenus en l'air par la force du vent. Ok. Maintenez L2 et R1 pour charger un puissant jet de lance tourbillonnante qui frappe plusieurs fois les ennemis en les repoussant. Ok. Donc déjà, attendez. Déjà, ça, je vais l'acheter, parce que ça, c'est ouf.
Et ça, lorsque la jauge de Milestorm est pleine, appuie sur... Ah. Ok, donc ça c'est pareil aussi, ça c'est aussi bien. Ça c'est comme pour activer les lames et les... Et la hache. Alors, esquive vers l'avant, R1. Esquive vers l'arrière, R1. Ça c'est bien les deux. Sprint, ouais. Maintenir R1 pour empaler un ennemi avec toutes vos forces. Ok, puis ça plante une lance. Ok, ça c'est cool. Maintenez R2 pour siphonner l'ennemi avec la lance. Les lances utilisées pour siphonner un ennemi infligent des dégâts élémentaires, peuvent être jetées et plantées, puis explosées. Ok. Et ça, c'est continuer de maintenir R1 pour planter une lance supplémentaire. Ah, ça c'est cool, ça en fait deux. Et ça, ben franchement, c'est une attaque puissante avec R2, donc oui. Ok, donc là on a bien amélioré. Et puis Freya maintenant. Freya, Freya, Freya peut invoquer des ronces, ouais. Ah, une flèche runique supplémentaire, ça c'est cool. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Ok, on est déjà pas mal. Maxime qui salue YouTube. C'est quoi ça? Sois sur tes gardes. Je ne suis Ah, pas interdit. on vient de là. Ou bien... Attendez, mais on connaît là où on est, là? Je crois qu'on n'est jamais venu ici, en fait. Ah putain, mais il y a notre pote, là! Ok. Bon, bah alors, on est obligé de passer par là. Ah, salut toi. Derrière toi. Putain, incroyable la lance, hein, n'empêche. Attention, tu es couvert de bifrost. Il n'en reste qu'un. Trop stylé.
Franchement, le gameplay s'étoffe énormément avec le nombre d'armes qu'on a. On a tellement de coups disponibles et c'est juste génial. Le gameplay de combat, je le dirai jamais assez dans God of War, génial. Mais si, on doit forcément déjà être venu vu que ça s'est ouvert. À moins que ce soit les ennemis qui ont pillé. Mais non, je crois pas qu'on est déjà venu. Durlin verrouille ses portes maintenant. On ne peut guère lui en vouloir. Je pense qu'il opère principalement de la taverne. Il y a l'intérieur qui apparaît et qui disparaît. Ce Durlin est-il un allié ? Difficile à dire après notre dernière visite. Mais Durlin, c'est pas... Durlin, c'est pas lui là-bas, là ? Durlin, attrape ! Tu nous as trahis ! T'as cafeté. Ah non, en fait, c'était juste pour explorer ici, du coup. D'accord, bon ben... Apparemment, vu le logo, on doit retourner par là. Il y a un moyen de rejoindre Durlin, quand même ? Ah mais oui, j'avais pas vu les... J'avais pas vu ça. Mais... Ah la Tomb Raider. Tu vas nous dire désolé ? Parle. J'aimerais que tu me portes quelque chose. Un marteau. Une arme ? Non. Un marteau de forgeron, petite tête. Un symbole de la résistance. De l'unité de la guilde, tout le couplet. Du moins, jusqu'à ce que les As l'enfouissent sous cette énorme statue de nain, dans la baie. Ça ferait du bien aux nains de le voir ressurgir. Tu ne crains pas d'attirer l'attention des Eneriards ? Le père de tout était prêt à m'égorger pour vous atteindre. Je me fiche pas mal de ce qu'il en pensera. Retrouvez-moi au bar quand vous l'aurez. Avec cette lance, tu pourras certainement explorer de nouvelles zones de la baie. Oui, et nous pourrions chercher le marteau de Durlin tant qu'on y est. Mais c'est toi qui vois. Oui, oui, on va faire ça. Mais d'ailleurs, je ne suis pas mécontent du fait que tu ne t'es pas excusé, parce que c'est vrai que tu n'avais pas le choix. Donc, ne t'inquiète pas, Durlin. Je t'apporterai ton marteau avec plaisir. Bon, alors, du coup... On va aller voir si on peut trouver des nouveaux trucs. Un filet, des poumons... Non, c'est stupide. Quoi ? La foutue devinette de Brock. Plus vous en retirez, plus je grandis. Je ne laisserai pas ce labo bleuâtre me battre. Si tu es contrarié, il a déjà gagné. Est-ce que ça serait pas là ? Non, c'est pas là. Non, je me souviens qu'il y avait une sorte de... De portail dimensionnel bleu, là. Pas loin. De là où il y avait le truc de la lance. Mais ouais, cette putain de devinette. Plus on en retire, plus je grandis.
Ah, c'est peut-être par là-bas. Ah, et d'ailleurs, là, il y a un putain de corbeau, hein. Rencontrer la dame de la forge a fait remonter de vieux souvenirs. Je pensais qu'on ne pouvait voir de telles choses que dans mon pays. Des sirènes qui forgent des armes. Oui, je me souviens avec affection d'une nymphe appelée Nimue. Extrêmement douée, l'épée à la main. Nimue. Et d'ailleurs, il y a, ah, y a une tombe en plus. Je avoir honte. Elle forgeait les mets. Ennemi à terre. Lâche-moi! Dégage! Ok, on va déjà commencer par aller explorer là-bas. On se garde la tombe pour plus tard quand nos attaques runiques se seront chargées. D'ailleurs, faut pas qu'on oublie qu'on peut aller ouvrir un coffre d'Odin. Pitié, j'ai besoin d'aide. Pas de soucis, je reviendrai, mon ami. C'est trop, je vais juste voir ce qu'elle a. Ouais, cette trou à eau ne reçoit pas d'eau, en effet. Et donc, je peux y faire quelque chose? Ah oui. Je crois qu'il y a quelque chose au sommet de cette île. Ah ouais. Ok, donc il y a carrément une île à explorer. Ah, un nidog. Voilà, ça s'est capturé. Tu tiens. Déjà ? Pourquoi apparais-tu sans cesse, mon petit ? Est-ce ton chef qui t'a demandé de nous surveiller ? Non, ce n'était pas notre intention. Tu dois me croire et je ne suis ici qu'en qualité de guide. Et seulement si tu le souhaites. C'est la procédure. Eh bien, tu peux être tranquille. Nous les ramènerons à Ratatos. Merci. Encore désolé si je t'ai offensé. Je promets d'être plus utile la prochaine fois. Nous pourrions une vraie petite flotte de nez. Ah, j'ai trouvé une carte au trésor, ok. Putain, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, là. Ah ah. Ok, puis comment on fait? Ah bah oui, du coup, j'ai la lance, donc je peux libérer le passage. Tac. Non! C'est dégueulasse. Attends. Putain, j'ai pas réussi. Oh putain. Bonjour. Bon débat.
Et c'est pas sur ce rocher-là qu'il y a un corbeau? Ah putain, il y en a un là-bas aussi, il me semble que j'en ai vu un. Là! Joli pactole. Ah, il faut que je le chope quand je suis là-bas. Je crois qu'il est juste là en dessous, le corbeau. Hein. Ok. Bon. Alors, je vais faire plusieurs choses, une chose après l'autre. Oui, donne-moi juste deux secondes, Kratos. Oui, donne-moi juste deux secondes, je vais juste là-bas. Ah ! En fait, là, je peux l'avoir plus facilement. Putain, j'ai juste pas eu. Je peux l'avoir plus facilement avec la lance ou... C'est plus dur à... Ah non, ça, c'est pas mal. Ah, là-bas, on voit le corbeau à travers, attendez. Je sens que je peux m'en faire deux. Du coup, là, si on fait ça comme ça, hop. Oui, il est là. Oh là 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 là, ça c'était bien joué. Ça c'était très très bien joué. Et puis là... Tac. Si ça c'est pas beau. Si ça c'est pas beau. Non. Merde. D'ailleurs, je vais juste jeter un œil à la carte, au trésor, à quoi ça ressemble. Ah, bah c'est à côté du dragon. Ou bien. La chair est éphémère, mais les trésors sont éternels. L'odeur sur la plinge est nauséabonde, elle dissuadera les voyageurs de s'arrêter. Je reviendrai peut-être quand la carcasse aura fini de se décomposer. Ah, donc c'était là où il y a le dragon, mais avant que le... qu'il soit complètement squelettique. C'est ouf. D'accord. Ok, donc ben je sais où aller du coup pour la carte au trésor. Bon, qu'est-ce que tu me veux, mon ami? Qu'est-ce que tu veux? Bien, pour faire simple, un trésor. Celui qui est caché là-bas, pour être précis. Mon fils et moi, nous sommes venus ici en quête des richesses de ces îles. Craignant que ce soit trop dangereux, je suis parti seul. Et il semblerait que j'ai vu juste. C'est pour ça que tu es resté là. Mon fils. Je crains qu'il soit parti chercher l'autre moitié du trésor. Je vous en prie, trouvez-le. Et dites-moi ce qu'il en est. Si vous souhaitez une récompense, vous pouvez prendre le trésor. Il n'en est plus que faible. Nous avons déjà collecté ce trésor. Une partie, en tout cas. Peut-être aurez-vous quand même la bonté de chercher mon fils. Trouver le fils de l'esprit, ok. Bon, occupons-nous du berserker déjà. Le combat nous appelle. Vegateur le redouté. Salut! Ah putain! Ok. Il m'électrifie direct. Ça fait mal. Bon. Alors. On verra. Si c'est trop complexe, on ira se chercher le trésor, puis se mettre. Une pierre de résurrection supérieure, puis on reviendra. Mais on va réessayer quand même quelques fois. Le redouter. Pour l'Aira. Si alpha.
Reprends-toi, mon frère, tu peux le faire. Putain, il met... Oh là là. Il met vite mal en électricité, c'est ouf, hein. Mais c'est chaud de... Ok. Je peux me protéger. Et lui, il a la barre orange déjà. Bon, il me semble que le précédent, il avait aussi la barre orange. Putain, il est loin. Là, je l'ai foiré, là. Aïe. Ouais, alors là, les amis, je pense que ça se passera mieux avec une pierre de résurrection. On va juste d'abord aller chercher le trésor, puis une pierre de résurrection, puis on revient juste après. Alors, du coup... il faut juste qu'on retrouve la carcasse. Je sais plus où elle est. Est-ce qu'on peut la voir sur la carte? Non, mais il me semble que ça doit être par là. Quoique. Je me souviens plus exactement, non. Attendez. Là-bas, on la voit pas. Le Gyalarorn, qu'est-ce que c'est? Et d'où provient-il? C'est un corps très bruyant. Et c'est là tout ce que j'en sais. Mimir. Je suis sérieux. Personne ne sait d'où vient le Gyalarorn. Un jour, Odin en a obtenu la possession, c'est tout. Peut-être qu'il est de l'autre côté. Hein. D'ailleurs, on doit de toute façon passer là pour s'acheter une pierre. Tu as pu forger la lance? Attends, ne dis rien! Je veux que Brock me raconte ce qui s'est passé. Je vais faire comme si je n'avais jamais été là. Ouais, et d'ailleurs, tu vas prendre cher, hein, malheureusement, mon ami. Parce qu'il a appris la vérité. Ah! On peut améliorer ça. Bon, allons-y. Hein. Et pour la reine des Valkyries? Tu as une idée? Et maintenant, Freya? Pourquoi le point d'exclamation se barre pas? Tac, tac, tac. Ok. Objets spéciaux. Ressources. Pierre de résurrection supérieure. Ok. Merci, mon ami. Je
Alors... Ah, il est là, il est là. Le voilà. Pour en revenir aux prophéties qui s'accomplissent par les efforts qu'on déploie pour les contrer, Nous continuerons plus tard. Il veut pas en entendre parler, Kratos. C'est dans cette direction que se trouve la grande statue de nain. Le marteau de Durlin ne devrait pas être loin. Oh, et du coup, il y a un endroit qu'on peut explorer en plus ? Ouais, c'est là, hein. Bon, écoutez. Ouais, Kratos ne veut pas en entendre parler, ça lui fait trop peur. Donc le marteau de Durlin est dans le coin. Donc attendez, si je fais objectif, service, Durlin, suivre. C'est dans le coin. C'est là. Qu'est-ce que ça donne ? Ah ! J'ai le dernier Jotunheim. Augmente la rage maximale de Kratos en fonction de sa vitalité. Ça, c'est cool. Alors, je veux la mettre. Je veux la mettre, mais on la remplace avec quoi ? Force 4 et 9. On va additionner, vous savez quoi ? 13, 10, 13 aussi, 10. Ouh, là, ça, là, c'est plus que 13. Ok. Donc un 10, donc 10 de renouvellement ou 10 de vitalité. On va garder le renouvellement et on va enlever la vitalité, je pense. Parce que le renouvellement, on n'en a vraiment pas beaucoup. Parce que là, ce que je mets, c'est vitalité, renouvellement. Ouais, je pense que c'est bien. Tac, comme ça. C'est beau, c'est beau. Bon, alors, vu que par hasard, on est sur la côte où il y a la quête de Durlin, on va juste vite fait la faire, du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, là. Ah, putain. Ah, mais c'est le fils de l'autre ? Baisse-toi. Père. Je ne te vois pas. Je n'ai pas été assez rapide. Je regrette de t'avoir abandonné. Ton père est mort. Quoi ? Comment ? Il est allé chercher l'autre trésor de son côté pour t'en épargner les dangers. Il semble qu'en ayant voulu vous protéger mutuellement, vous vous soyez rendus sur ces îles séparément. Et... J'ai été stupide. Merci. Merci. Merci de me l'avoir dit. Peut-être allons-nous enfin nous revoir. Quel dommage. En voulant s'épargner l'un l'autre, ils sont morts tous les deux. Il y a une leçon. Et maintenant ? Nous allons trouver le trésor et retourner voir le père. Pourquoi ? Terminer ce que son fils et lui ont commencé. C'est une bonne idée. Ah, salut ! Oh ! Toi, tu vas avoir une exécution qui fera plaisir. Ça m'a secoué ! Putain. Oh. Mais vous avez vu sa vie ? Il s'est fait maudire ou quoi ? Il s'est fait posséder par un œil ? C'est possible. Je pense que ça devait être ça, hein, parce que c'est abusé qu'il ait eu autant de vie. C'est d'un tel gore. C'est d'un tel gore, cette exécution. Bon, j'espère que je me batte encore un moment, parce que comme ça, je peux me refaire de la rage pour... Mais tu pourrais utiliser ton burin pour l'achever.
Je pourrais me refaire de la rage pour quand on ira à la tombe. Tellement cool. C'est tellement cool. Le marteau de Durlin. Toujours intact après tout ce temps, contrairement à la ténacité de Durlin. Nous lui rapporterons. Mais d'ailleurs, je me demande, je me pose une petite question là. Est-ce que le coffre à trois runes qu'on a vu qu'on pouvait pas activer, maintenant qu'on a la lance, on peut l'activer. C'est possible, hein. Et j'aimerais bien aller voir. Attendez. Ouais. Et du coup, vu qu'on doit retourner voir Durlin, on sera vers le funiculaire, donc on pourrait aller voir. On essaiera d'aller voir, on n'oublie pas. Donc aujourd'hui... Là, cet épisode sera très clairement un épisode d'exploration. Hein. Maxime qui nous dit à bientôt Corbel. Ben à bientôt Maxime, merci d'avoir été là, ça a été cool. Désolé, oh putain. J'ai eu besoin d'éternuer. Comment on fait péter ça? Ah. Ah. Elle nous mènera peut-être aux épreuves de combat de Sieux. Oh, d'accord. Donc maintenant, on peut aller au royaume... On peut aller au royaume de lave. Ah ouais. Elle est en train de tous les... Ah, mais elle est là-dedans. Ok, maintenant on peut parler. Mais t'es encore en vie, toi ?
Entre les créatures et tous les débris, personne n'a pu sortir d'ici vivant. Putain, j'ai failli pas te voir, toi. Oh, d'accord. Salut. D'accord, t'es du genre plus fort que tes congénères. Ah d'accord. J'ai pas trop envie d'utiliser ma rage, mon pote. Ah putain. Non, je vais pas l'utiliser. Je ne veux pas l'utiliser. Je ne veux pas gagner ce combat en ayant utilisé la pierre. Je veux la garder pour la tombe. Et puis là, il me redonne toute ma vie, donc c'est bien pratique. Allez, montre-toi. Je vais commencer par t'envoyer ça à la gueule. Oh, c'est déjà pas mal. Mais putain, mais c'est pas possible! Ah, j'ai mal joué sur la fin. J'ai commencé à avoir peur de lui, parce que j'avais presque plus de vie. Allez, cette fois c'est la bonne, les amis. Merde, je l'ai loupé. Ça commence bien déjà. Sur ta droite. Whoa!
Cette fois, t'es foutu, mon pote. T'es foutu. C'est moi qui te le dis. Entre les créatures. Personne n'a pu sortir d'ici vivant. Bon, ça a été. Enchantement d'amulette, c'est quoi ça? Ah, emblème d'esquive. Obtenez une accélération et parcourez plus de distance lors des esquives. Ah, ça c'est pas mal ça. Esquive subite. Mais il faut avoir 60 de renouvellement. Est-ce que je peux remplacer avec un truc sympa? Force, pouvoir unique. Force, renouvellement. Ah, je pourrais remplacer avec force, pouvoir unique. Hein. J'aime bien ça. Obtenez une accélération et parcourez plus de distance lors des esquives. Ça me plaît. Mais du coup, faut qu'on monte à 60. On va monter à 60 le plus vite possible. Un idog de plus. On en a pas mal, hein. J'adore comme il dit ça. Cesse de remuer. Tu as réussi, mon bon Kratos. Et de manière spectaculaire. Continue comme ça et tu seras bientôt un expert. Merci. Je ne saurais dire s'il était condescendant ou seulement triste. Les deux. Ah d'accord, ok. Je peux voir les décombres d'ici, mon frère. Il semblerait qu'on soit au bon endroit. Attends, je me suis pas foiré, là. Ah ok, non, c'est bon, c'est bon. J'ai cru que je m'étais foiré. Il me semblait que ça avait mis du temps avant d'exploser. Le tunnel doit s'ouvrir devant nous. Ah bah, le voilà, le trésor. On fait plusieurs missions en même temps, c'est bien. Ah, une nouvelle carte trésor, ok. Du coup, ça ressemble à quoi? Mes trésors sont trop précieux pour tomber aux mains des As. Je les enfouis sous la machine qui me les a livrés. Dans l'espoir, qu'Asgard sera trop fier pour aller fouiner là où ses ouvriers se brisent le dos. Putain, j'ai de la peine à voir où c'est, ça. J'avoue que j'ai de la peine à voir où c'est, ça. Si on voit un truc comme ça, on... Jolie prise. Je comprends pourquoi nos chasseurs de trésors y tenaient tant. Peut-être devrions-nous aller dire au père ce qu'il est advenu de son fils. Ok. Bah du coup, vu qu'on doit de toute façon aller dire au père ce qu'il est advenu de son fils, on va pouvoir en même temps faire la tombe du berserker. Il me revient autre chose à propos de cette pièce grecque dont je parlais, si tu me permets d'émettre une critique. Pour une œuvre mise en scène, on y voit surtout des personnes faire de longs monologues et recevoir de terribles nouvelles. Elle aurait gagné à nous montrer certaines choses plutôt que de les décrire. Dans la tradition grecque, les histoires se déroulent en un lieu et un temps donné. Pour plus de clarté,
Si tu le dis. Heureusement qu'on n'en a pas eu besoin. Oh. Un enchantement des flammes de Muspelheim. En plus, ça donne du renouvellement. Je vais le mettre, je pense. C'est quoi ça, du coup, l'atout pour les 3 de Muspelheim? Augmente les dégâts des attaques au corps à corps infligées par Kratos quand les jauges de permafrost, d'immolation et de maelstrom sont pleines en fonction du pouvoir unique. Ok. Donc je crois que c'est le... C'est le L1 plus, plus triangle. D'accord, bon, ça m'intéresse que moyennement, mais je vais quand même la mettre parce qu'il y a pouvoir unique, chance et renouvellement, et ça m'intéresse beaucoup de monter le renouvellement de 10. À ton service. Du coup, je créerai tout ce que tu voudras. Ah, je peux améliorer les gantelets. Ou le truc de bassin. Donc ça fait 59-33. 59-33, c'est pareil. Donc on va les améliorer. C'est peut-être ma plus belle pièce du jour. Amulette, améliorable. Paf. Ça c'est nickel. Prends soin de ton armure et elle prendra soin de toi. Attends, j'ai pas des trucs à te vendre toi? Ça non. Fait quand même. Alors du coup, amulette, Muspelheim, tac, tac, voilà, c'est beau ça. Et puis, quoi d'autre? Est-ce que j'ai de l'XP? J'ai de l'XP à dépenser. Non, c'est bon. J'ai pas assez d'XP pour dépenser. Et puis, je veux aller dans ce sens-là. N'hésitons pas à voir si on voit une sorte de grue comme on a vu. L'énigme de Brock. La réponse peut-elle être rien. Plus vous en retirez, plus je grandis. Qui suis-je? Rien. Je ne crois pas, mon frère. C'est pas con comme idée, mais... Ouais, je trouve... C'est vraiment pas con comme idée, Kratos. C'est une bonne idée. Attendez, Parce que là, je suis quoi comme quête, en fait? C'est... Service... Ah non, retournez voir Durlin. Bah, vous savez quoi? On va... Ben, retourner voir Durlin. Et... Mais juste avant de retourner voir Durlin, j'aimerais juste remonter là-bas pour aller voir si on peut ouvrir le fameux coffre. C'était par où qu'on était venu? Ah, par là, ouais. En espérant qu'on puisse remonter. Il me semble qu'il a dit qu'on le trouverait à la taverne. Oui, oui, t'inquiète, je sais. Je me suis pas gouré, Mimir. Je veux juste voir si on peut reprendre le funiculaire, là. Oui, on peut le prendre. Super. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Mais ouais, pas con, Kratos, hein. Si on ne retire rien, il y a plus de rien. C'est vrai que ça fonctionne pas, mais c'est bien pensé. Ouais. Ça me replonge dans cette putain d'énigme. Ça me tue. Mais comme l'avait dit Mimir au début, ça doit être une sorte de concept abstrait, ça peut pas être quelque chose qui existe. Parce que sinon ça fonctionne pas. Ouais, je pense que ça me hantera, tout simplement. Alors, il était où ce putain de coffre?
Ah, il était là. Donc, si j'essaye de faire ça... Oui, c'est ça, ok. Donc, où sont les autres? Tu les vois, toi, Freya? Ouais, faut les faire exploser simultanément. Tu me dis, hein, Freya, si t'en vois une, parce que là, elles sont assez petites. Ah, là, il y en a une deuxième. Ok, puis la troisième. Ah bah, là-bas. Super. Coffre, ouvre-toi. Super. Heureusement que je l'avais pas oublié, ce coffre. À chaque fois que je ne parle pas, je pense à cette putain d'énigme. mais j'arrive vraiment pas à trouver la réponse. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? On va juste profiter du fait qu'il y a cette porte pour aller voir ce qu'il y a dans le coffre des corbeaux d'Odin. Bon, je vais arrêter de penser à cette énigme. Ça me torture pour rien. Ça me torture pour rien du tout. Je vais pas trouver la réponse. Putain, ça c'est tous les corbeaux qu'on a chopés? Non, quand même pas. Oh, attaque unique puissante, j'en attendais une. Puissante attaque de zone qui inflige des dégâts à tous les ennemis dans un vaste rayon. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Oh ouais, et puis améliorer au max. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, on va la prendre. En plus, elle a grave du style. Ça fait vraiment divin. La gardienne de... Une acolyte d'Odin, très discrète, chargée de ses plus viles missions. Je ne l'ai jamais rencontrée. Il y en a qui vont souffrir. Et pour Dame Freya? Je comprends pas pourquoi le vraiment il y a le... Il y a le point d'exclamation qui reste, quoi. Ils veulent vraiment que je l'améliore. Qu'est-ce qu'il te faut? Bon, écoutez, je vais pas l'améliorer parce que dans le doute...
dans le doute ou j'en trouve un autre. J'ai envie d'avoir le matériel pour améliorer l'autre. Enchantement. Est-ce que je peux avoir un truc qui donne du renouvellement? La 5 de renouvellement. Et il y a celui-là qui donne un peu plus de renouvellement. Hein. Est-ce qu'on se l'achète? Allez, on se l'achète. Maintenant, passons à la déesse. Quand une invocation runique est en cours de renouvellement, augmente énormément l'état appliqué aux flèches runiques. Ça, c'est cool, ça. On va l'améliorer. D'ailleurs, on a... Ouais. Tu sais ce que tu veux ? Ok. À dire avant de décamper. Du coup, au niveau de l'amulette, est-ce qu'on peut se mettre davantage de renouvellement? Ah ouais, mais il y a plein de trucs qui donnent du renouvellement, attendez. Renouvellement 5, 3... Ah non, en fait. Non, en fait, il y a qu'un truc qui... que deux trucs qui donnent du renouvellement en plus. Renouvellement... Ah bah, c'est les deux zoneurs de Midgard. Et l'ensemble, c'est quoi? Augmente les dégâts de toutes les attaques de capacité à distance de Kratos basées sur son renouvellement. Mais je comprends pas ce que c'est les attaques à distance basées sur le renouvellement. Je sais pas ce que c'est basé sur le renouvellement. Mais bon... Mettons-le pour augmenter notre renouvellement, pour avoir un emblème d'esquive. Donc ça, c'est... Il y a du renouvellement, et là aussi. Et là aussi. Merde ! Je peux rien enlever sans briser mon truc... mon ensemble de Jotunheim. Ah, ça casse les couilles, ça. Ça, ça fait chier. Ça fait chier. Écoutez, on va attendre de réparer le dernier emplacement, du coup. C'est con. C'est con. Et puis, au niveau de mon armure, il y a rien qui donne du renouvellement. Hein. Je sais pas comment on peut faire pour avoir davantage de renouvellement, du coup. Ben, en attendant... En attendant qu'elle s'active, on va pas la laisser comme ça. On va prendre autre chose. On va se mettre... On va se mettre... on va se mettre le 5 de renouvellement. Tac. C'est bien comme ça. Attendez, Svartalfheim, c'est là où on veut aller? Oui, c'est là. C'est là, c'est là. Bon, allons au milieu. Comme ça, on peut aller faire directement... la tombe de Berserker. Dalida qui dit ma sœur qui me dit que le cosplay et se déguiser, c'est pour les femmes. Ça me va. C'est quand même triste d'être fermé d'esprit comme ça. C'est... Ouais. C'est vachement triste. Service, le trésor perdu. Tac. Dans ce sens. Mmh.
Ah oui, et puis est-ce qu'on voit une grue au passage? Parce qu'on a toujours la carte là. Tu n'aimes pas les énigmes? Non. Oh, mais c'est que tu n'en as jamais entendu de bonne. Tiens, celle-là. Jeune, je suis grande, vieille, je suis petite. Les bougies. Oh putain, vous allez pas commencer. Tu la connaissais? Non. Oh. Et alors? Oh bordel, eh ben il a. Non. Il est vachement vif d'esprit, Kratos, putain, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, moi. Jeune, je suis grande, vieille, je suis petite. Elle est cool. De trouver l'autre trésor. Il ignorait que tu en faisais autant. Non. Tout est ma faute. Il t'a désobéi. Oui, c'est ce que font les enfants. J'aurais dû le garder auprès de moi. Nous serions en vie et immensément riches. Ensemble. Ne te blâme pas. Il est en paix. Quoi qu'il en soit, merci de l'avoir trouvé. Je le chercherai à Elaïr. Nous avons bien fait, Kratos. Oui. Je sais qu'Atreus s'appréciera aussi. Oui. Il me semble qu'il y avait un endroit. Un endroit où on faisait tourner une grue entre trois positions. Et qui avait des énigmes par rapport à ça, justement, donc c'est peut-être à cet endroit-là. Mais quoi qu'il en soit, je vois qu'on dépasse l'heure, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, du coup, on continuera à explorer dans le prochain épisode la fin de ce monde et puis aller aussi à Midgard pour voir ce qu'il y a avec les roches de glace qu'on peut casser avec la nouvelle lance, et puis on ira peut-être aussi faire un tour dans le royaume de lave. Donc voilà, je pense que le prochain épisode sera encore centré sur l'exploration. Il y a tellement de choses à faire dans ce jeu, mon dieu, c'est incroyable. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous connaissez les bails, partagez la vidéo, abonnez-vous sur Twitch et sur YouTube, allez sur les liens dans la description si ça vous intéresse, et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette aventure. C'était Corbel. Out.